Bonjour et bienvenue chez Sœur Beauty Food. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo donc régénération. Je vais vous montrer comment je fais mon smoothie banane. You wake up, post up, run around in it. Donc là, hop, nous avons la bête, les bananes, le couteau pour couper les bananes, le récipient pour mettre donc le smoothie. On va rajouter un petit peu d'eau et un petit peu de cannelle. Donc il faut savoir que moi je fais souvent des monodiètes de bananes parce que la banane c'est un fruit qui est riche en antioxydants et donc elle préviendrait de beaucoup de maladies d'après certaines études, donc telles que le cancer, certains cancers, des maladies cardiovasculaires et certaines maladies chroniques. Donc les bananes sont très riches en vitamines et en minéraux. Donc vous pouvez trouver dans les bananes donc la vitamine B6 qui est très bien contre le stress. Vous avez aussi la vitamine B9. Comme minéraux, vous avez le magnésium et le magnésium et le potassium aussi. Mais surtout, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'elle contient un acide aminé qui est le tryptophane. Et le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine, et la sérotonine c'est ce qui nous met de bonne humeur. Donc c'est pour ça que en fait moi je fais beaucoup de monodiètes, et en fait c'est quand je sens que mes intestins sont enflammés, quand j'ai une inflammation des intestins, donc j'ai recours vraiment à la banane au lieu d'aller chercher du gaviscon ou je sais pas quoi. Donc moi c'est la banane et ça me libère bien au niveau des intestins. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc, hop, on va déjà couper les bananes. Donc moi d'habitude j'en fais 5, mais là quand elles sont petites, et ben voilà, j'en ai pris 6 cette fois-ci. Je prends le soin de choisir des bananes qui sont bien mûres. Donc vous voyez qu'ils soient un petit peu tachetés là, pas un petit peu, hein. Des fois c'est même vraiment plus noir, j'attends qu'elle mûrisse bien, vous voyez là. Donc il y a certains qui vont plutôt les jeter, croyant que voilà, que c'est périmé, que c'est plus bon. Et ben moi, je fais mon smoothie avec, parce que plus les bananes sont mûres, et plus elles fonctionnent bien au niveau des intestins. Elles vont bien vous guérir et elles font une sorte de pansement vraiment aux intestins et c'est super. Donc, hop, on coupe tout ça. Hop. Vous voyez, c'est vite fait. Faites votre petit smoothie. Donc ensuite, on va mettre un peu de cannelle. Donc la cannelle, c'est bien pour fluidifier le sang. Et hop, on met un petit peu d'eau. Enfin, un petit peu. Voilà. Voilà. Hop. On remet tout ça. Et bonne dégustation. Donc voilà, je vous ai montré comment moi je fais mon petit smoothie. Donc c'est vrai que des fois je mélange, je mets de la banane, je peux mettre aussi de la salade ou du kiwi. Voilà, donc ça dépend des fois. Donc là, smoothie nature aussi comme ça. C'est toujours bien, mais par contre je mets toujours de la cannelle. Et donc voilà, j'espère
abonner, à liker, à activer la cloche pour être prévenu des autres vidéos. Et puis, laissez-moi un commentaire si vous aussi vous faites des soucis. Allez, bye bye. Et prenez bien soin de vous. Parce que donc le banane la banane. Mais tu parles trop vite.